Chers internautes, bonjour et merci de nous prendre en marche. Je suis le studio d'Abidjan TV.net à Jamaica, Queens, New York. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission LDA Reçoit, nous recevons avec plaisir les pasteurs Yolande et Édouard Abidjan. Bonjour pasteur. Bonjour cher. Vous êtes pasteur de l'église Power of God Manifestation. Depuis combien de temps votre ministère est-il? Alors que nous rentrons dans le vif du sujet, nous avons attesté une prière dans son église pour notre père, une opportunité qui nous donne une petite enfant qui font. Père Tout-Puissant, nous venons ta puissance, pour te dire infiniment merci. Merci parce que tu permets à tes enfants de se retrouver pour parler de toi. Éternel, mon Dieu, nous prions que cette opportunité soit l'occasion pour tes enfants de se couvrir davantage et que pour ceux qui ont commencé à te regarder, que l'occasion leur soit redonnée de renouer leur union avec toi. Nous te demandons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le ministère Power of God Manifestation existe, cela fait de cela maintenant des années. Donc, est-ce que vous avez des ambitions de créer des ministères dans certaines parties du monde, dans certains pays du monde? Je pense que tout d'abord... Je veux parler dessus que ça, ou quelle branche de votre ministère. À l'audience. Moi, c'est Pasteur Yolande Amicha. Et moi, c'est Édouard Amicha, votre serviteur. En fait, nous avons l'intention de planter beaucoup plus de ministères. Parce que la Bible nous enseigne d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est un fardeau pour nous de permettre à l'Évangile d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pasteur Yolande et Pasteur Ibrahim Chia, qu'est-ce qui vous a poussé vers le travail de Dieu? Si je vais être un peu curieux. Qu'est-ce qui nous a poussé? Moi, personnellement, c'est le Seigneur qui m'a poussé. C'est ça. Il m'a poussé à un moment où je ne m'y attendais pas. Je suis venu aux États-Unis pour mes études. Et juste après mes études, j'ai reçu cet appel pour commencer depuis le pays. Mais cela fait beaucoup en plus en vitalité ici aux États-Unis. Et comme Paul, sur le chemin de Damas, c'est sur le chemin de ma façon de faire que le Seigneur s'est révélé à moi pour que je transforme. Voilà comment cela a commencé. Et Pasteur Yolande? En fait, depuis l'enfance, j'ai reçu l'appel de servir le Seigneur. Je me souviens très bien encore dans les années 80, j'ai écouté un message d'un pasteur renommé en Côte d'Ivoire et depuis lors, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et lorsque je parcourais la Bible, j'ai lu un verset qui m'a beaucoup marqué. En fait, ce verset-là se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 6. Je crois au verset 8, Ésaïe était en train de traverser un moment de révélation et il a entendu une voix et le Seigneur lui a demandé « Qui enverrai-je et qui irai-je pour moi ?» Et Ésaïe a dit « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Alors, lorsque j'ai entendu ce passage, ça m'a beaucoup marqué et j'ai dit comme Ésaïe « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Depuis lors, je brûle le désir de servir le Seigneur et je pense que ça a été merveilleux pour moi de rencontrer Jésus très tôt. Merci. Ma sœur Yolande, quels sont vos meilleurs souvenirs depuis que vous êtes au service de Dieu? Quels sont vos meilleurs souvenirs? Meilleurs souvenirs, je dirais que quelles sont mes bénédictions? Parce que Dieu m'a vraiment fait grâce. Il m'a protégé, il a toujours pourvu à mes besoins. Je me souviens très bien une fois, quand je célébrais à la veille de mes 30 ans, j'ai été dans un accident de voiture et je suis sortie de cet accident sans égratignure. Et là, j'ai vu la main miraculeuse de Dieu sur ma vie. C'est un des plus grands souvenirs et des plus grands moments vraiment de ma vie que j'ai expérimenté avec le Seigneur. Et ta soeur, Édouard Amicha, vous avez un témoignage à rendre au Seigneur. Effectivement, avant tous ceux qui nous regardent,
effectivement, lorsque on se confie au Seigneur, on voit vraiment sa bonté qui se renouvelle à chaque matin. Et je ne pensais pas que le Seigneur pouvait m'amener à ce niveau où je suis, car je croyais que la vie se résumait seulement.